Re-coucou et bienvenue sur Shine Scrap. Donc je reviens vers vous car je vous avais dit que Manu m'avait offert des petites choses. Des petites choses comme ça. Voilà. Et il y avait plein de découpes à l'intérieur, vous voyez? Des petites boîtes, des petites choses à faire. Et on a deux paquets. Donc je ne les ai pas encore ouvertes. Vous avez vu, on peut faire plein de petites choses comme ça. Tac, 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 des petites boîtes et des petits machins. Et même des petites enveloppes. Écoutez, on va ouvrir. On va en ouvrir un. Donc ça, c'est la collection que je vous ai montrée en vidéo. Et je voulais vous faire partager eh ben, ces petites choses-là. Car il y a plein de petites boîtes à faire. Voilà. Donc on va regarder. Je vais le déballer. Donc j'en ai deux paquets, trop gentil. Et il y a plein de choses, ça se voit. Bah oui. Il y a plein de choses à l'intérieur. Voilà. Des petites boîtes, trop bien. Ça c'est super. Regardez, les petites boîtes ovales. Une plus grande. Une comme ceci. Regardez. C'est mimi ça. C'est beau. Voilà. Alors du coup, alors par exemple, laquelle que c'est la première que je vous ai montrée, celle-ci, ça vous fait une petite boîte. Elle est où? Comme celle-là. Donc là, bah, vous pliez tous les côtés en fait. Vous voyez? Voilà, on plie. Ici, pareil. Pouvez mettre soit d'un côté ou soit de l'autre. Ici, on plie aussi. Les deux côtés sont jolis, hein, de toute façon. Je vais peut-être prendre celle-ci. Voilà. Hop, on replie. Je vais prendre de ce côté-là. Et après, on n'a plus qu'à coller. Alors, c'est ici. Et là. Après, vous ouvrez sur les côtés. Voilà. Et ça. On n'a plus qu'à la coller ici. Voilà, ça vous fait les petites boîtes comme ça. C'est assez sympa pour offrir des petites choses. Vous avez vu? Regardez ça. Vous voyez, là, une fois que c'est collé après, ben voilà. Là, regardez. C'est assez sympa. Et après, vous avez des plans. Après, vous avez des petites choses qui vont avec. Alors, attendez, parce que regardez ça. C'est tout découpé en fait. Tout est découpé. Là, c'est une grande boîte. Regardez-moi ça. Avec des papillons. Vous voyez, vous avez des petits modèles. Et là, des grands modèles en fait. C'est trop bien, hein? Regardez, un grand modèle d'enveloppe. Enfin, de boîte. C'est super joli. Regardez ça, comme il est beau comme papier. Faire une boîte. C'est trop beau. Alors voilà, il y a différentes boîtes. Et après, vous avez une planche. Voilà, vous avez une planche. Et vous pouvez rajouter des petites décos. Regardez. Vous n'avez plus qu'à découper. Enfin, c'est même pas à découper, hein. Vous faites comme ça par en dessous. Hop. Regardez. Et vous avez un embellissement. C'est trop bien quoi en fait. Et du coup, elle m'en a offert deux. Ça, c'est super. Alors là, elle est jolie aussi, cette petite boîte. Alors attendez, je vais essayer de. Je vais me lancer pour la monter. Alors là, il y a des petits trucs là. Hop.
Ça, c'est ça pour accrocher. Ma pince, elle est remplie de colle. Je n'ai pas eu le temps de la nettoyer. Et les petits trucs, là. Donc, on les enlève. C'est certainement pour mettre... pour faire la finition finale, quoi. Les petites choses. Petits rubans, certainement. Je vais regarder où elle est, cette boîte. Elle est là. Ça fait... ça donne cette boîte-là. Celle-ci. Et oui, c'est joli. Et là, en fait, les bouts que je suis en train d'enlever, ça va les rassembler. Vous mettez un nœud et vous mettez une petite étiquette. Et ça, c'est super sympa à faire. Et je crois que Manu, elle a dû avoir ça chez... chez Noz. Parce que regardez, s'il y a des étiquettes. Je pense. Hein. Tu me diras, Manu, si tu passes par là. Mais je pense que oui. Et ça, c'est génial, quoi. Et c'est trop gentil, quoi. Regardez. Et là, après, ben, il n'y a plus que du pliage, quoi, à mon avis. Hein. Alors, on va essayer de la faire. Je vais essayer de la plier avec vous. Je me lance. Donc, à mon avis, il faut faire déjà tout le pliage. Hop, la partie du bas. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Parce que si je filme devant moi, enfin, il y a un réglage que j'arrive pas à faire. Et je l'ai ramené, ils n'arrivent pas non plus à faire mon réglage. Donc voilà, je sais pas pourquoi. On verra, c'est pas grave. Donc là, j'ai pas l'habitude de travailler dans cette position-là. C'est à moi de trouver mon truc et puis de régler. Mais j'ai pas le temps. Puis, ça me prend le chou. Alors là, il y a aussi du pliage. Hop. En même temps, j'essaye de bien vous montrer parce que c'est pas évident. Regardez, tous les petits pointillés, ben, faut les suivre et faut les plier. Donc je vais les suivre. Hop. Ici, voyez, si on le fait mal après, ça va pas. Voilà, on va le plier. Il est parti comme ça. À plier, on va les plier. Vous voyez, ouais. Hop. Ici. Voilà. Parties sont pliées. J'ai plus qu'à plier ici. Je pense que ça va le faire en mettant la boîte en place. Voilà. Ici, cette partie-là, on va la coller. Et ça, ça va rentrer à l'intérieur. Voilà, ça fera ça, en fait. Vous voyez, ça fera faire un cône comme ça. Et là, comme ça doit se plier... on va rattacher comme ceci. On rattache les parties ensemble. Et une fois collé, ben ça vous donnera une boîte comme ceci. Il faut bien la remettre. Et ça vous fera une boîte comme ceci. Vous voyez, plié sur chaque côté. Donc à mettre plein de petites choses, à mettre une étiquette et hop, le tour est joué. C'est pas mal quand même. Hein, alors ça, vous voyez, je ne la plie pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je vais me faire un gabarit. Et oui, vous posez ça sur une feuille et vous la reproduisez, tout simplement. Et oui, comme ça, et ben vous pouvez en refaire à volonté. Voilà, voilà. Alors, et après, ben, toutes les petites boîtes, ben, c'est pareil. Là, il y en a une autre. Elle est différente aussi. Oui, c'est pas la même. Vous voyez, on peut facilement reproduire. En fait, vous prenez une feuille 30-30, vous coupez tout le tour, comme ça, tac, 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 vous coupez, et après, eh ben vous venez, déjà là, c'est facile, déjà là, pour là, pour plier ici, vous avez juste les pointillés là, donc une ligne droite, voilà. Après, vous avez une ligne droite qui fait comme ça, tac,
là, ici, 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 et là c'est les pliures, donc vous n'avez plus qu'à plier, et là une petite, et ça vous fait ça. On va la plier, vous voyez, c'est pas compliqué à les reproduire, et comme ça on peut, c'est assez sympa en fait, ce système, j'aime beaucoup, comme ça on peut envoyer des petites choses en fait dedans. Vous voyez, avec ça, j'ai plié là, parce que celui-là, il va rejoindre ce bout-là. Là, hop, on va plier ici. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à suivre, hein. C'est pas compliqué. Voilà. Et ça, moi, mettez ça sur du papier 250 grammes et vous verrez, ça ira tout seul pour refaire. Hein. Parce que le papier de 250 grammes, il est très épais. Donc, vous pouvez vous en servir comme gabarit. Et puis après, ça, je vous le dis tout le temps, le papier de 250 grammes. Hein. Après, vous pliez où il y a les petites pliures à plier. Hop, ici. Attendez, celle-ci, elle est où? Elle est là. Hop. Là, j'en ai une ici à plier. Et ça peut faire des sacrées jolies boîtes hein. Avec le papier, différents papiers, ça peut faire trop trop chouette. Voilà, et du coup après bah, c'est pareil, vous faites comme l'autre, hop, on colle, on rassemble, vous voyez, pas compliqué, hop, on rassemble tout ce monde là. Voilà, ici vous avez la languette pour coller ici. Regardez, ça vous fait une jolie boîte. Hein, regardez-moi ça. Une fois que ça sera collé, hop. Et puis ça, ça va comment? Je suis beau. On va regarder le truc de la boîte. Il y a un dessin. Bah, ça fait celle-ci, juste à côté, la grande. Regardez. Voilà. En fait, elle reste comme ça. À vous de la customiser, elle reste comme ça. Puis bah là, bah, vous ouvrez et hop, vous avez vos petites choses, petits trésors. C'est pas mal, hein? Voilà, elle est comme ça, celle-ci. Puis vous pouvez y aller, on peut en mettre des choses parce qu'elles sont quand même grandes. Hein. De hauteur. Oups, elle fait des découpes, hop, tout est parti. C'est pas grave, on va les remettre à l'intérieur. Voilà, hop là, et du coup, oui, la hauteur, donc ça vous fait, ça sont belles, hein. Donc on va pas compter les une fois que c'est plié, ça vous fait des belles boîtes hein. De là à là. Ça vous fait, je prends la pointe d'ici à ici, ça vous fait 18 cm quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Donc ça vous fait en hauteur, bah voilà, une belle boîte. Hein. Une belle boîte de 18 cm. C'est trop joli. Voilà. Alors moi je vais m'amuser à faire des gabarits. Eh hey, 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 oui. Vous voyez. Même celle-ci. Alors celle-ci, mystère et boule de gomme. Alors là, il y a les petites languettes à enlever. Une ici. On va essayer. Je ne promets rien, hein, parce que moi... Hop, on plie. Voilà, c'est pas compliqué. On plie les quatre bouts, en fait. Alors, hop. Tac. On appuie. On fait les quatre côtés. Alors ça, c'est facile comme tout, là. Hop. Et là, il y a des petits pointillés. Ici. Hop, et ici, à mon avis, hop, on doit rassembler tout ce petit monde là et on doit passer ça ici. Ça fait comme les gâteaux, vous savez, les pâtisseries, comme chez le boulanger. Alors, attendez, il doit avoir un sens. Je pense qu'on doit passer ces deux là à l'intérieur. Je pense. Ou alors une comme ça.
Là. Celle-là, je ne sais pas du tout. Et une comme ça. On va regarder le dessin, on va peut-être mieux comprendre. Moi, je suis novice sur les petites boîtes. Hein. Alors, elle est où cette petite boîte? Elle est là. Vous avez vu? Je vous ai montré celle-ci. Celle-ci. Et ça doit être celle-ci. Donc, les trucs, ils partent comme ça. Donc, les trucs, ils vont tous les deux dans le même. Il y en a un de chaque côté qui part. Alors, peut-être celui-là qui va ici. Et l'autre. De l'autre côté, mais ça me paraît bizarre quand même. Bah écoutez, oui, si, c'est comme ça. Après, une fois bien. Attendez, je regarde le dessin. Bah si, ça fait ça, regardez. Elle est là. Mais à mon avis, on doit les mettre ensemble. Quand même. Parce que comment voulez-vous que ça tienne? Sinon, on va essayer. Et je crois que ça doit être ça. Voilà. Bah oui, parce que là, ça fait une bouffette. Oh, ah, la Chanel Scrap. Bah oui, voilà. J'osais pas. Voilà, ça y est. Regardez comme c'est mimi. Ah, c'est trop mimi ça. En fait, ça fait un petit cœur là. Alors après, on peut s'amuser pour la décoration, hein. Oh, ah oui, c'est trop bien ça. Vous avez vu? Une découverte. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors après, bah, vous pouvez garder par exemple un petit embellissement. Mettez un petit embellissement ici ou comme ça ou voyez, faites ce que vous avez envie. Un petit embellissement comme ça. Je sais pas, moi, vous mettez des petites choses, des petits coussins, petits trucs tendres. Je sais pas, ce que j'ai sous la main. Je sais pas, un petit truc, hein, une petite pincette comme ça. Hihi, petite, tiens, regardez. Vous voyez, c'est un petit plat que j'ai monté avec une petite épingle comme ça. Deux petits bouts de ficelle, des petits bouts de nœuds. Puis là, un petit bout de nœud. Et puis hop, j'ai mis ma petite. Le petit plâtre, petite chipounette, regardez. Ça fait joli aussi. Voilà, il suffit de faire des petits trucs comme ça, des petits machins. Des petites bricoles. Là, je crois que j'ai un petit monsieur, là, un petit truc que j'avais fait. Ah non, j'ai pas bricolé celui-là. Vous voyez, petit plat comme ça. Ben, vous faites des petites choses avec. Comme j'ai fait là avec. Ça va bien ensemble, vous avez vu? Avec ça. Puis après, vous pouvez rajouter des petites choses. Alors, avec cette étiquette-là, avec cette boîte-là, ils ont mis. Vous avez vu là? Ils ont mis cette étiquette, je crois bien. Ouais. Alors, attendez. Ils ont mis celle-ci. En fait, ils ont mis ça. Et ils l'ont mis sur la boîte ici. Voilà. Mais moi, je suis plutôt partante. Vous savez à quoi faire? Dans la boîte, à mettre des petites gourmandises. C'est-à-dire, je vais vous chercher un petit truc. Petite idée, comme ça, en passant. Hein. C'est toujours bon à prendre. Et puis, ça fera très joli dans les envois. Je vais vous montrer des petites choses. Ici. Ça, c'était Nancy qui me les avait offert, les petites madeleines en plâtre qu'elle avait fait. Vous voyez? Et ben, vous mettez ça à l'intérieur, ça fait une petite surprise. Et puis là, sur le dessus, ben, vous faites les petites étiquettes que Nancy elle fait. Alors, Nancy, ça fait très très longtemps qu'elle a fait ces petites étiquettes. Voilà, elles sont trop mimi. Et moi, c'est pour ça que j'ai acheté les petits tampons parce que vous savez, les petits tamponnages que je vous ai remontré, que je vous ai montré, je vais vous les remontrer. Les petits tamponnages comme ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo. C'est mes premiers tampons que, à part ceux d'Action que j'achète, que je me suis. Que j'ai pris. Voilà, donc là, vous voyez bien.
Voilà, c'est tampon bleu. Donc moi j'ai pris le tampon cupcake, comme ça. Petite gourmandise. Et donc c'est ce tampon-là pour faire les petites étiquettes. Vous voyez? Alors il se présente comme ceci. Donc là, il est en plus petit. Moi j'ai pris en plus grand. Et bah, vous tampon. Moi je m'en suis pas encore servi. Hein. Vous, parce que je n'ai pas encore eu le temps. Bon, je ferai un petit truc là-dessus pour faire des. Bah, vous avez. Bah, on fera une petite boîte. On va décorer une petite boîte. Puis on fera une petite décoration. Je vais en refaire une autre comme ça. Puis je mettrai une petite étiquette comme ça. Vous prenez des petites attaches comme ça. Regardez comme c'est joli. Des petits brillants comme ça. Des petits brillants. Je vous montrerai où je les ai mis mes petites attaches. J'en ai tout plein. Tout plein, tout plein, tout plein. Bah, pendant qu'on y est, je vais vous montrer. En train de chercher, voilà, donc vous en avez des petites attaches qui sont trop jolies. Vous allez chez comment chez Cultura et vous avez des petits pots. Donc bah, vous mettez dans vos petits pots et regardez, vous avez ceux-là. Donc moi j'ai pris ces couleurs-là, il y a plusieurs couleurs hein. Donc vous avez des petites comme ça, toutes brillantes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, elles sont toutes brillantes. Moi, j'en ai pris des roses comme ça. Pour là, avec mes petites étiquettes, des petites blanches. Donc, j'en ai pris des petites. Et là, vous allez mieux voir sur les grosses. Donc là, j'en ai pris des comme ça. Je vous sors les couleurs que j'ai pris. Mais je reste un peu dans les mêmes couleurs. Bah, j'ai pris que ces deux-là. Ah non, trois couleurs. Là, dans les grosses, j'ai pris ces trois couleurs-là. Vous voyez, elles sont brillantes. Elles sont trop belles. Et les petites, elles sont pareilles. Voilà. Donc, un rose comme ça. Un comme ça. Regardez ça. Et une petite blanche. Donc, ça se vend dans les petits pots. Hein. Chez Cultura. Donc, moi, j'ai pris des comme ça. Et là. Essayez de vous en montrer les petites. Si, voilà. Vous les voyez, je crois bien là. C'est pas évident à prendre. Regardez. Hop. Vous voyez, c'est brillant. Et moi, j'en ai pris des autres aussi. Il y en a qui se sont mélangés. Alors, vous avez des comme ça, des plus gros, etc. Et vous en avez aussi des comme ça. Moi, j'ai pris différentes couleurs. Mais il y en a plein. Hein. Il y en a toutes sortes. Mais bon, bah les autres, moi, ils m'intéressaient pas. D'ailleurs, il faut que j'y retourne parce que je pense qu'ils ont dû ressortir des autres coloris, des autres formes, etc. Je regarde si je vous. Attendez, je vous mets un petit tri, un petit panache que j'ai pris la dernière fois. C'est comme ça. Regardez ça. Assez joli. Donc vous les avez, vous prenez les petits pots, ça vous coûte tant et puis vous les remplissez jusqu'au bout et puis vous les refermez vous-même. Donc moi j'ai mis ça, j'ai pris ça et puis vous les mettez là, puis vous me faites un petit nœud, vous faites la petite étiquette, voilà, pardon. Puis voilà, vous pouvez jouer et ça fait, je trouve que ça fait une autre idée, un autre petit truc à faire, un petit cadeau, une petite boîte comme ça sympa. Il faut les reproduire et puis mais bon il y a des machines aussi chez à la Fourmi Créative où vous pouvez faire plein de différentes, il y a une petite machine où vous pouvez faire plein de différentes boîtes. Moi d'ailleurs j'en ai une et je ne m'en sers jamais, et j'ai même un truc pour faire les enveloppes mais je m'en sers jamais non plus. Bon. On va se servir de ça. Alors ça du coup j'avais pris ça, je vous remonte le petit tampon, donc le petit petite gourmandise. Et dedans, il y avait cela. Alors, comme je vous avais montré, mais vous les aviez vus à l'envers. Donc, j'ai le mot gâteau, confiserie, chocolat, confiture, gelée, péché mignon. Ça, on peut mettre tout partout. Recette, du thé, du fait main, bouton, brade. Vous
Ruban. Pour toi, plaisir d'offrir, top secret. Carnet et notes. Et après, vous pouvez mettre. Moi, j'ai oublié d'en prendre un, ces petites notes. Mes petites notes. Mes petites notes. Et je pense que je vais refaire une commande. Parce que, ben. Je vais les utiliser et puis je vous dirai quoi. Et dedans, j'ai deux trucs comme ça. Donc voilà, donc ça se vend comme ça. Donc vous les avez au détail, comme ceci. Vous les avez au détail. Et vous pouvez acheter des planches avec plein de mots et vous les découpez, tout simplement. Vous les découpez, vous mettez sur votre planche acrylique et ça va dessus, n'ayez pas peur. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà, c'était juste un petit truc que je voulais vous montrer. Oui, d'une chose à une autre, on en vient à discuter à autre chose. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien. Alors du coup, bah, ça fait des jolies petites étiquettes comme ça. Voilà. Après vos étiquettes, pour ça, parce que le fond là, le fond c'est du papier, mais elle a tamponné dessus. Ainsi, et quand c'est comme ça, bah vous allez sur internet ou vous prenez du papier que vous avez chez vous, et puis bah hop, par exemple, ici là, c'est des découpes, vous voyez, c'est des découpes avec des mots, des machins, et des petits mots, tac tac tac, et bah là-dessus, vous pouvez tamponner, vous voyez, vous mettez un tampon hop, sur des fonds comme ça de fleurs ou des autres choses. Moi, j'en ai préparé là, des fonds, vous voyez, c'est celui-là. J'ai préparé des fonds, mais je sais plus où je les ai mis. Pihihi. Même là-dessus, j'en suis sûre que je peux tamponner. Voyez, sur un, vous voyez, j'ai pas acheté mes chutes parce que là, même là, je jette pas parce que je peux mettre un tamponnage. Je les jette pas mes chutes. Je récupère et j'ai une boîte. Je récupère, je mets tout. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh ben, c'était pour venir à mes fameuses petites boîtes, tout ça. Les petites boîtes qu'on peut faire. Donc voilà, faites des gabarits. Moi, je vais faire des gabarits de ce modèle-là parce que c'est sympa. On peut offrir plein de petites choses à l'intérieur. Puis, vous voyez, une petite déco, là, j'ai mis ça parce que voilà. Mais si c'est sur les gâteaux, ben, on peut faire des petites choses. Là, j'ai une petite boîte exprès que je me suis fait comme ça. Voilà. Tac, tac. Et puis dedans, bah, vous voyez, j'ai mis, regardez, les petits macarons. Ça, c'était les petits mots, gourmandise. Les petites découpes que je découpe sur les gâteaux. Paquet de gâteaux fossiers. Voilà. Alors, merci aussi à Nancy, parce que voilà, elle est venue, vous savez, chez moi. Et puis, bah, je lui avais offert des gâteaux fossiles, etc. Puis j'y tiens. Et puis, elle me dit, tiens, bah, pourquoi pas, on fera ça. Faites-le, hein, parce qu'il y en a déjà qui l'ont déjà fait. Faites-le, vous allez voir. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien, vous découpez, vous voyez. Petit paquet, vos petits paquets de gâteaux, hop. Moi, ça va parce que j'ai ça dans ma ville, hein, naturellement. Puis après, vous pouvez rajouter des petits gâteaux. Petits gâteaux comme ça. Hop, ça, c'est un petit gâteau Tilda. Que j'ai mis avec mes petits gâteaux que j'ai dans ma petite boîte. J'ai pas tout mis, mais bon, il y a plein de petites choses. Et puis après, vous pouvez, si vous n'avez pas la chance de trouver les gâteaux fossiles, mais bon, on en trouve partout, vous imprimez des petites choses comme ça. Puis après, vous voyez, moi je les ai doublées. Voilà. Tac, tac. Après, hop. Après, vous faites ce que vous voulez. Et vous voyez, même si moi j'ai imprimé, j'ai mis du rose. Alors, je vais vous montrer un truc. Je donne des petites astuces. Si ça vous plaît pas comme ça, et ben vous pouvez attendez, je sais plus où je l'ai mis parce que j'ai le brin. Vous prenez les petites paillettes, hein. Hop, ce que vous avez sous la main, hein. Et puis alors je vais le déboucher. Voilà, et ben pour que ça fasse plus joli. Eh ben, vous repassez dessus. Vous mettez. Des petites paillettes.
Vous suivez le contour. Regardez, ça change quand même un mot. Là, j'en ai mis un peu trop. Hop, regardez. Vous avez vu? Ça change déjà. Et après, puisque vous ne l'avez pas encore découpé, faut vous amuser avec. Après, vous en mettez. Non, attendez. J'essayais les petits trucs de. Comme je suis avec les petites boîtes de Manu, les petites choses de Manu. Vous vous rappelez les petites choses comme ça qu'elle m'a offert? Eh ben, faut s'en servir aussi. Alors, je vais prendre le vert, comme ça vous verrez mieux. On se coud. Puis le rose. Hop, je vais prendre les deux. Tic, 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 tic. Je se coud, je se coud, je se coud. Regardez, hop. Prenez. Et on va venir faire des petites choses. Des petits ronds. Vous avez vu? Vous en mettez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre là. C'est juste pour vous montrer. Hein. C'est pas. Voilà. Je vais le rescouer. Le secouer. Puis ça sèche bien. Puis ça fait bien des petits ronds. Regardez. Attendez. Hop. Regardez. C'est nickel, quoi. Et bon. Là, je vous mets là. Hein, parce que. Bon, on peut le mettre ailleurs. Hein. Mais je vais vous le mettre là. Vous voyez bien. Non. Ici. Là, j'en refais un. Vous avez vu? Vous en mettez où vous voulez. Vous pouvez en mettre. Bien souvent, il faut les mettre par trois. Ah, bah voyez, j'ai fait un gros paquet. Bon, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Bon, ça va pas faire joli. Mais c'est pour simplement vous montrer. On peut faire plein de petites choses. Là, je l'ai fait, c'est pour vous donner une idée. Voilà. Hein? Et vous mettiez les couleurs qui vont que vous aimez, quoi. Voilà. Et je trouve que cette couleur-là, elle est superbe. Regardez. C'est trop joli. Voilà. Donc, elle m'a offert celui-ci, Manu. Celui-ci. Je vais vous les remontrer. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous les montrer. Voilà. J'ai pas encore essayé. Je les ai pas essayés. Alors, on va les essayer, tiens. Ça fera l'occasion. En plus, on peut papoter un petit peu. Passer un petit moment ensemble. Super. Moi, j'aime bien aussi des petits moments. C'est pas obligé que de faire que des vidéos de tutos ou de choses. C'est bien aussi de voir des petites choses nouvelles. Je vous fais découvrir parce que moi, je connaissais pas. Franchement, je connaissais pas du tout. Faut juste les secouer un peu. Là, c'est flashy, hein. Oups là. Oui. Hop. En fait, c'est pas les mêmes ceux-là. Je suis en train de raconter une connerie. Ouais, celle-ci, c'est pas les mêmes, regardez. C'est pas pour faire les. Bah, alors celle-ci, vous l'ignorez. Hein, c'est de l'encre. Et puis celle-ci, vous l'ignorez aussi. Alors donc, on va faire celle-ci. Avec les petits points. Je suis cloche. C'est du tout moi. C'est du tout du Chanel Scrap. C'est pas grave, hein. Oups là. Les bêtises, ça continue. Pas grave. Hop. Qui ne fait rien ne fait pas de bêtises. Allez. Voilà. Donc, pour faire les amel-dots. J'ai ces quatre couleurs là. Voilà. Et sinon, il y a les petits nouveaux. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est de l'encre. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein, pour vous montrer. Regardez. C'est beau, hein? Voilà, mes petites abonnées. Bah écoutez, je vais vous faire des énormes gros bisous. Hein. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur son écran. De Snoop. Bah voilà, ça continue les bêtises. C'est pas grave. Allez, bisous, bisous. Et. À une autre prochaine vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, bisous!